Déjà 7 heures dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, vendredi 13 juillet, pour nous capables de présenter toutes les informations. Déjà, nous souhaitons passer un très bon week-end sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, rencontré jeudi 12 juillet dans le palais national, magistrat commune dans la zone métropolitaine. Quand je suis actuel dans le pays, Chita Palais. Président Association économiste haïtien Edi Laboussière recommande au gouvernement faire inventaire pour identifier, encadrer et puis accompagner victimes dernier événement yo. Économiste là fait connaître conséquences crasé brisé week-end passé ya par gain en pile impact négatif sur recette yo. Qu'il est une institution qui a bénéficié prime assurance. Qu'il est un incident présenté risque. Fritz Catalogne, un expert dans affaires assurance, a bail quelques explications sur comment question assurance la traité dans pays d'Haïti dans développement journal matin. C'est point ça à quelques n'a porté pour dans journal matin, pas déplacer n'a porté pause n'a tourner. Nous remercions pour fidélité ou attention, nous retournons pour développement information. Et nous te disons dans grand titre, président République la Jovenel Moïse, Chita Palais, jeudi 12 juillet, avec magistrat dans la commune dans la zone métropolitaine. Le contrat est déroulé dans le palais national. Différents dossiers qui concernent les pays, surtout dernier conjoncture, tenamitant Chita Palais sa yo. Différents magistrats qui étaient présents dans le contrat te fait part de propositions yo, sur qui ça yo comprennent de situation et fait quelques recommandations par chef l'État. Dans une suite, président République la, Jovenel Moïse, exprimé satisfaction après rencontre à magistrat dans la zone métropolitaine, chef l'État précisé la prend proposition sa yo en considération. D'après économiste Lady Laboussière, conséquence crasé brisé week-end passé à la capitale là, pral gen impact négatif sur recette yo. Edi Laboussière parle sur quantité moun qui viennent trouver dans chômage à cause plusieurs business et entreprises qui obligé fermer porte yo. On nous suivre yon bout nan déclaration ni nan miko dali nan Dorivala ak Wilbrich Moïse. Catastrophe là, certainement, il y a un monde qui va le payer. C'est bien sûr la population qui va continuer à payer. Mais le gouvernement, tout, en termes de recettes, il y a une incidence vraiment négative sur les recettes. Imaginons qu'on ait des entreprises qui sont obligées de fermer les portes. Ça veut dire en termes clairs, ça veut dire en termes de finances publiques, mais le gouvernement, par cas, percevant, c'est une taxe indirecte, particulièrement TCA. Et doit d'assise parce que les entreprises n'existent pas. Si les entreprises n'existent pas, qu'à taxer. Donc c'est le premier effet négatif sur les rentrées fiscales. C'est peut-être ça déjà où le gouvernement va retourner, dit parlement, tourner le budget à Bali parce qu'il va être obligé de faire des révisions budgétaires parce qu'anticipation au secteur pas là. Mais là, c'est une dimension de question et l'autre dimension beaucoup, encore beaucoup plus grave pour la finance publique. Pas oublier qu'en 2004, ça s'est passé déjà. Mais ils ont été obligés, les commerçants et victimes, les franchises. Ils ont exonéré de taxes d'impôts, ils ont même des subventions. Mais à partir des maigres recettes de l'État, non seulement le gouvernement parle peut-être probablement de certains secteurs de subventions, mais les gros entrepreneurs ne perdent pas quelques bagages. Mais ils ont pas obligé, non seulement des crédits d'impôts, mais il n'y a pas des exonérations fiscales. Donc tout ça, ça arrive en termes clairs. Pour un terme de recettes, les recettes d'État vont baisser. Vous comprenez? Donc sans compter qu'il y a un bon monde qui perd du emploi. Les gens qui perdent du emploi, ça n'a pas de travail, et bon, pas pour faire déclaration définitive d'impôt. Au titre de l'impôt sur le revenu, déjà, il va rentrer moins d'argent parce que les gens ont perdu du job. Ils évaluent déjà, une première évaluation commence à sortir. Ils évaluent à peu près à 3 000 à 4 000 Haïtiens. Qui perd du emploi, soit direct, soit indirect.
N'a prêté dans même dossier cela et dit la Bossière qui est président association économiste haïtien recommandé gouvernement en place là fait inventaire pour identifier encadrer et puis subventionner victime dernier événement yo et dit la Bossière souhaite moun qui perdit position nan crasé brisé pendant week-end a passé ya joine exonération fiscale pour capable recapitaliser business yo. Toujours dans micro d'Alena Dorivala ak Moïse Ulbuch. On a pour bail souhaité que vous faire font un inventaire exhaustif de monde qui perd du bagage. Et Jean Modem m'a regardé président rencontré mais c'est gros homme d'affaires que moi rencontré. Donc monde ça certainement va recapitaliser comme dans le passé comme en 2004 sûrement gouvernement pas le bail des subventions ou encore et des exonérations fiscales. Donc j'espère que le gouvernement l'enquête préalable pour faire une quantité de pertes bien, le gouvernement effectivement va permettre de recapitaliser, on peut permettre des facilités de crédit parce qu'il n'y a pas de paquet à côté de l'argent à la banque. Donc aider, quel soit le monde qui fait business en Haïti, côté de l'argent de crédit, si vous n'avez pas de contact, si vous n'avez pas de relation, pas de ça ne devrait pas. En République Dominicaine, il n'y a pas comme ça. Il y a une banque de banque de population, il y a un fonds d'investissement. Tout Dominicain qui a un projet valable, il y a l'argent prêté. Je dis à ce moment-là, j'ai besoin de prêter pour monter un studio de télévision, etc. On pas besoin de lui. Et mon pays, comme ça, va pas marcher. C'est une bachita autour d'une table pour me poser des problèmes de fonds. Le problème de fonds qu'il y a dans le pays, c'est trop inégalité, trop misère. Qui est une institution qui a bénéficié de prime assurance? Qui est un incident pour représenter un risque? Fritz Catalogne, qui est un expert dans les affaires assurance, a quelques explications sur comment que cette assurance là traitée par Boïsita. En nous souvenant extrêmement micro, lui n'est la Jean-Louis à Kevin Pierre. En Haïti, nous avons un problème de loi. Nous légiférons sous effet, nous pas légiférons sous cause. Or, c'est cause qui crée effet. Parce qu'on n'a pas une législation sur l'assurance. Quand il y a ces publicités, tout le monde politicien qui a parlé, fait, tout le pays dans le Caraïbe, jusqu'à 2004, deux pays qui n'ont pas de législation sur l'assurance, c'est Belize et Haïti. En 2003, Belize fait législation. C'est nous-mêmes, jusqu'à présent, pas aucune législation sur l'assurance en Haïti. On n'a pas de crédit sur l'assurance. On assure son contrat. Au côté de 4 assurances, ça va vous donner son 4 d'entrée dans le cinéma. Son contrat, il y a des conditions particulières, conditions générales sous pension. Compagnie d'assurance, il y a une spécialité. Une compagnie d'assurance qui a occupé pension, qui a occupé accident direct, qui a occupé tremblement de terre. Chaque bagage a une spécificité. Pour l'assurance, il faut que le risque soit déterminé et que les mutualise. Que met tout le monde ensemble. On ne peut pas tricher là-dedans. Assistance, c'est charité. Oui, c'est l'église, c'est la religion qui fait charité. Ou bon dommage qui arrive, donc une bonne gratification. Mon pas, son faveur, c'est mon droit. Assurer son droit à qui qu'on gagne. Moi, en quatre, non. Moi, en contrat. Donc, la police, c'est-à-dire le contrat, il y a des conditions générales, conditions particulières. On couvre pour tel bagage, tel bagage, tel bagage. On ne couvre pour tel bagage, tel bagage. Donc, de vous parler au contrat, assurance, on pas assurer. Fédération nationale magistrat haïtien FENAM dit yo pas d'accord avec zaka krasé brisé qui fait pendant week-end passé dans pays ya. Dans une note yo mette deyò maman FENAM yo dit yo solidaire à victime yo et puis souhaiter yo joindre justice. Ezayo relé ça présenté dans compte rendu. Dans notre ça, Fédération dit le condamné zak violence, pillage ak vol mouvement tension 6 ak 7 GIA té la cause. Il y a une série de crasés brisés d'après FENAM qui enregistré dans différents coins de zone métropolitaine. Nan, et puis qui ouè, magasin, l'hôtel, la banque, ak maquette pillée et puis passé en bas flamme. Tant pour divers autres groupes organisés dans le pays, la Fédération nationale magistrat haïtien, yo kwe, situation sa pral lage, plus moun nan chômage et puis pral la cause, gros état dans l'économie pays. Puis devant, FENAM rete kwe, nous avons une décision qui prend bon côté autorité qui l'a pour ça, pour éviter situation sa répéter dans le travail, pour faciliter bien-être de la population, hein, et puis mettre moyens pour permettre citoyens yo ak bien rejoindre sécurité.
Fédération nationale magistrat haïtien souhaité gagner un nouveau gouvernement qui capable rapprocher le plus bon côté collectivité a pendant le rappeler importance yo dans développement local là. Pendant le plaidé pour autonomie mairie, Finam souhaité yon chita parler en différents secteurs de la vie nationale là et puis renouveler engagement pour travailler ensemble avec bon côté population. Nous prenons kounya dans le Parlement haïtien qui chita soubi ça n'importe presse, puisque il y a un sénateur département Nipla, Denis Kado, qui c'est tout président plateforme politique en bouclier, qui dit qu'il regrette Zaka violence qui te gen week-end passé après gouvernement te fin à monter prix gaz là sur marché local là. Selon responsable bouclier pour population capable de reprendre confiance dans l'exécutif là, faut un changement qui fait dans le gouvernement. En nous suivant extrait dans la déclaration de Namiko Fedner, confident avec Moïse Oubich. Par rapport à l'événement qui est passé le week-end dernier, vu que la population lui-même lui réagit sous question prix et sanctionnant POP, nous dit que de bon ton pour que le Premier ministre ainsi que le gouvernement libère le président pour permettre que y ait de l'autre négociation qui fait pour monter une nouvelle équipe qui est capable de prendre le destin pays en main. Nous parlons à le président, nous balle position, nous tournons position, nous estimons que nous faisons travail par nous. Rete lui-même en tant que premier mandataire nation qui est capable de choisir entre sa nouvelle et sa lui-même livrée et responsabilité lui-même vient combien à lui. Il y a deux camarades qui t'a souhaité que nous allions vers l'interpellation du Premier ministre. Il y a un groupe qui est d'accord, mais il y a un autre groupe tout qui dit que. Étant donné que la Chambre des députés a lui-même été saisie sur question, hein, puisque la séance là en continuation, est-ce que pas de petit problème du point de vue constitutionnel? Nous avons concerté, nous avons gardé ensemble pour nous. Si pour aller vers l'interpellation, ou bien est-ce que nous avons gardé, nous capables pour l'autre exercice beaucoup plus intéressant, capable de conduire vers demande auprès du Premier ministre pour que lui-même décide de quitter le gouvernement. Et n'a toujours été dans le Parlement haïtien, député circonscription Mibaléa, Abel Décolline, questionné absence par Port-au-Prince dans le moment de la violence qui était faite pendant le week-end passé. Député a demandé pour traitement de ce monde arrêté fait dans le respect de la loi. Toujours dans le micro, Fedner confident avec Moïse Wibich. Nous t'es condamné et nous condamné avec la dernière rigueur ça qui passait dans le pays en termes de crasé brisé. Mais tout, nous apprendre et tendez avec la plus grande stupéfaction une conférence de presse que le commissaire du gouvernement, M. Oknam Klame Dameus, li baille la veille pour que li annonce que l'action publique en mouvement et que le fait état de 64 arrestations et pour la plupart, c'est de moun que yo estimé qui te gagné de marchandises ou de matériel nan men yo qui te sorti dans le cadre de pillage qui te fait dans des entreprises. En cela, nous appelons son mise en garde pour éviter que nous ne pas mettre l'huile sous du feu. Le commissaire du gouvernement, il là pour que le défende société. Et l'action de un commissaire d'un gouvernement, il doit être faite avant, pendant et après. Maman plateforme nationale secteur populaire haïtien déclaré li yo pas d'accord avec l'idée pour premier ministre Jacques Guilafontaine quitter tête gouvernement. Président plateforme là Dieu donné les risons encourager autorité concernées
prend décision plutôt pour changer quelques ministres à directeur général qui t'a handicapé pouvoir en place là, une façon pour empêcher pays à connaître plus mauvais moment. À nous suivre extrait. La forme nationale secteur populaire haïtien opposé à un changement gouvernement. Mais n'a dit président Jovenel Moïse, après ça qui finit passé dans le pays, il faut qu'il y ait une pile physique qui saute. Nous connaissons un pile problème en dans le gouvernement. Tout ministre avec directeur général qui n'a pas fait travail peuple là, il faut que tout aille. Plateforme nationale, secteur populaire haïtien. Profitez même occasion ça. Pour condamner comportement une équipe mauvais politicien qui a fait vieille manœuvre pour créer instabilité sociale et politique à chaos dans le pays. La forme nationale secteur populaire haïtien a fait considération ça yo pour opinion publique là. Un, dans un mois et demi, c'est pour la rentrée de classe. Côté que, en pile maman petite et papa petite, pourquoi qu'il y a une possibilité pour prendre canet Timounio qui est dans la direction de l'école. Yo. Deux, pendant 17 mois, qui sont passés là, pas aucun programme social que le gouvernement mettait en place qui atterrit dans le quartier populaire pour te permettre, même secteur populaire, te rallonge souffle. N'a demandé au président Jovenel Moïse pour le décréter en urgence sur tout le pays un programme apaisement social qui pour toucher toutes 146 communes, toutes 570 sections communales qui pour atterrir dans le quartier populaire, dans le ghetto, qui pour ramener confiance dans la population. N'a pas entré dans la page technologique journal là, qui est-ce qui est capable d'héritier information numérique yon moun après la mort là? Dans le pays Allemagne, pire instance judiciaire dans le pays ici là, techita sous dossier ça qui aurait le patrimoine numérique. Même Jean, Léon Moun mouri, gagne l'autre moun qui héritier l'argent ak bien là, c'est même bagala pour information ou poster sur réseaux sociaux, ça veut dire Twitter, Facebook et autres, pour capable connaître si on moun mouri, est-ce que qui l'autre moun capable gagne accès à toute information que moun sa poster. On nous suit un reportage. À qui appartiennent nos données après notre mort? En Allemagne, la plus haute instance judiciaire a tranché sur la question du patrimoine numérique. Et selon elle, il peut être hérité de la même manière qu'un patrimoine mobilier ou financier. Les juges de la Cour fédérale ont rendu cette décision après avoir été saisis par les parents d'une adolescente décédée en 2012, écrasée par un métro à Berlin. En ayant accès à ses conversations sur Facebook, ils espèrent ainsi déterminer si ce drame était un accident ou si leur fille souhaitait mettre délibérément fin à ses jours. Cette décision brise la défense du réseau social qui, depuis 3 ans, refusait de transmettre ses données aux parents, invoquant le secret des télécommunications. Aujourd'hui, Facebook propose 2 options en cas de décès de l'un de ses utilisateurs, transformer son profil en page mémoire ou le supprimer à la demande des proches, mais une 3e option dessine petit à petit ses contours. Weekend ça, c'est un week-end boule, peut-être dernier week-end boule non, puisque Coupe du Monde là, licencié après en fait, mais date 12 juillet, c'est une date qui marque pour Français, yo. 20 ans de cela, 12 juillet 2008, et bien, pays la France, t'es calibrisé là, 3-0 pour t'es capable de remporter premier Coupe du Monde là. Et bien, avant que t'es arrivé dans la finale, il t'es calé Croatie dans la demi-finale, et bien, c'est finale ça, n'attend dimanche qu'à venir là, France, Croatie, dimanche à partir de 11h.
Journal la Révenant Boutli permet que nous rappelons grand point qui domine l'actualité avant que nous allions. Président République la Jovenel Moïse rencontre jeudi 12 juillet dans le Palais National la magistrat commune dans la zone métropolitaine. Conjoncture politique pays a été nommée Chita Palessila. Président Association économiste haïtien Edi Labossière recommande au gouvernement faire inventaire pour identifier, encadrer et puis accompagner les victimes de dernier événement. Économiste l'en fait connaître, conséquence crasé brisé week-end passé à pour un impact négatif sur recettes fiscales. Qu'il y a une institution qui a bénéficié de prime assurance, qu'il y a un incident présenté un risque. Fritz Catalogne, c'est un expert dans affaires assurance, l'été bail dans le journal a quelques explications sur comment question assurance la traité dans le pays d'Haïti. Avant nous aller, permettre que nous présenter sympathie nous à consoeur nous, Rachel Saint-Fort, lui-même qui perdu papa lui, Jean-Raymond Saint-Fort, et bien entièrement, l'a chanté demain samedi 14 juillet à 3h dans l'après-midi dans l'entreprise Alma, Kishita, dans boulevard 15 octobre 103, numéro 103, centre commercial à Bellevue, 17 à Pétionville, et bien quoi l'a exposé depuis 2h dans l'après-midi. Toute sympathie à vous-même concernant Rachel Saint-Fort dans un moment douloureux. C'est là, nous mettons dans le journal, nous sommes contents ensemble avec vous, nous souhaitons passer un très bon week-end sur la télévision nationale d'Haïti, nous avons cassé rendez-vous lundi matin pour l'autre édition nouvelle. Bye bye tout le monde.